Il y a différents thèmes, il y a à la fois l'hébergement, le tourisme de mémoire, d'autres thèmes bien évidemment. Donc cette année, il y a eu 15 projets qui ont été déposés, 7 ont été retenus, 3 autres sont dirigés sur d'autres lignes de financement et sont donc en quelque sorte retenus également. Donc tout ça pour une enveloppe de 112 000 euros et ça permet effectivement de booster le tourisme dans notre département et notamment vis-à-vis de l'hébergement puisque le département est assez déficitaire en termes d'hébergement.